Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de France de la saison 2006 de Formule 1 sur F1 Championship Edition. Alors, on avait réussi à finir la course du USA la dernière fois, même si c'était assez loin. Ça va être compliqué sur ce Grand Prix de France au niveau des temps. Certes, je peux potentiellement améliorer le meilleur tour là, que l'on voit en 1:17.920, hein, largement. Mais il va falloir ne pas faire d'erreurs sur les chicanes qui sont vraiment les plus difficiles à prendre, je trouve, limite du jeu. Avec peut-être à voir avec Imola, hein, mais avec Monza, mais celle-là, ça va être quand même pas facile. Allez, on va lancer la séance de qualification. La sérénité On va faire quitter le garage. Je vais laisser le setup que j'ai actuellement. C'est un stop par défaut, hein. Pas beaucoup de différence. Donc le Grand Prix de France dans sa configuration dernière, hein, je crois que ça n'a pas trop bougé Manicourt entre depuis la modification du dernier secteur. Donc on verra ce que ça peut donner ici. En vrai, je préférais l'ancienne version avec la petite chicane assez compliquée à prendre là dans le dernier secteur. Là, ils ont mis la chicane dans le dernier virage. Et c'est vraiment difficile à prendre avec la voiture parce que du coup, elle a tendance à partir d'un seul coup. Donc ça, faut vraiment faire attention en course. Il faut conserver la corde à chaque fois. Alors je sais pas si je fais le meilleur temps, combien je peux me classer. Bon, évidemment, on va toujours traîner dans la dernière position, mais est-ce que je peux tenter une Q2 à voir? Oui, on peut légèrement couper, pas trop, sinon après le jeu nous pénalise. Voilà, c'est ici. Voilà la bosse là, qui est très très difficile à prendre. Alors j'aurais peut-être pu assouplir la suspension ou autre, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que ça ne reste qu'un seul passage du circuit. Putain, et ben voilà, merci la Toyota qui sort en plein moment. J'ai perdu énormément de temps. Elle m'a un peu surprise. J'ai raté un peu. Ah non, l'épingle, ça va, j'ai pas trop raté. Si la Toyota veut me laisser passer, ça serait super cool. Ouais, merci. Bon, là, je vais sortir large, je s'en fous. Attention à l'accord de pas trop sortir large, voilà. Et on repart ici. Cette épingle ici. Cette épingle, cette chicane. Un peu compliqué à prendre, on peut couper légèrement. Voilà. Là, j'ai raté complètement ma sortie. Bon, j'ai réussi à rattraper légèrement le chrono, mais il va falloir que je fasse un deuxième tour, ça c'est sûr. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Boum. Allez. Revenir au garage. J'ai absolument pas le droit à l'erreur et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il restait 100 mètres à faire, même pas. J'ai réussi à me planter, c'est magnifique. Alors finalement, je me rends compte que le fait d'avoir des pneus durs ou tendres ne change rien du tout. Enfin, en tout cas, en termes de performance. Là pareil, hein, si on va trop sur les vibreurs, si j'accélère, je pars instantanément à la faute. Ouais, quand je vois le tour de 16,5 de speed, je me dis que c'est mort. Parce que je pensais faire un tour peut-être en 1:17,4, 1:17,2. Mais en fait, ça reste une seconde trop lent. Ouais, puis j'ai vraiment du mal à avoir les bonnes trajectoires ici, c'est compliqué. J'ai augmenté légèrement le son de la télé de mon côté. Et
m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Ouais, pas mal, un peu mieux pris. Mark Webber boucle un tour complet. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Alors, on arrive sur des pilotes devant, là, et je sens qu'on va se faire gêner, vous allez voir. Bien sûr, dans mon tour le plus rapide, hein, sinon ça serait pas drôle. Alors, j'ai perdu un peu de temps, hein, je vous le dis, mais bon, ça aurait pu être pire. Complètement loupé. Rubens Barrichello termine son tour complet. Ce virage, je le trouve super, super difficile à prendre. Eh boum! Eh ben on a fini le tour. On a fini le tour en catastrophe. 17-7, c'était pas glorieux. De toute façon, ça sert pas à grand chose puisque on n'aurait pas réussi à se qualifier. On va faire quitter la séance. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième. Ouais, de toute façon, il aurait fallu faire. Ouais, Yuzi qui est en galère, hein, 18-9. Ouais, il aurait fallu faire une 16-5. J'aurais pas réussi, de toute façon. On va faire. J'ai envie d'augmenter un peu les ailerons quand même, légèrement. Voilà. On sait jamais. On va faire un retour, on va faire quitter la séance parce que je n'y ai pas droit, bien sûr. C'est quand même un sacré parti pris hein, de montrer le circuit en vue de haut en 2000, enfin en 2007. Montrer le circuit vidéo parce qu'en général, les circuits, quand on n'est pas sur le circuit, autour du circuit en général, c'est très dégueulasse visuellement. Et là, bah en fait. Là, comme le jeu est plutôt bien fait, bah, il se permet de montrer tout autour, même si on voit qu'il n'y a pas grand chose au niveau des décors. Il affiche pas mal de choses. Les deux super aiguries, 19e et 20e. Pas mal pour elle. Alors, au niveau de la course, c'est parti. Et il pleut, alors voilà, histoire de donner un peu de fun, hein, de grandir nos chances de refinir la course. Hein, autant dire, je pense que là, dans 40 secondes, c'est terminé, mais bon. Mais son tracé étroit peut poser des problèmes de dépassement. Allez, la grille de départ avec Raikkonen dans Schumacher, Trulli 3ème. Trulli qui a fait une bonne course, je crois que c'était en 2007-2008 qui a fini sur le podium. Montoya 4, 5 Alonso, 6ème Massa, 7ème Rosberg, 8ème Piquet, 9ème Ralf Schumacher, 10ème Barrichello. Et il va pleuvoir, c'est génial. Et j'ai mal accéléré, c'est pas grave. Allez, ben nous on va juste essayer de finir la course. Parce que de toute façon, sous la pluie, on a nos chances, honnêtement, autant se le dire. Parce que déjà, je vois rien. Et à mon avis, ça va énormément glisser. Ouais, j'avais pas tourné pour vous dire. Heureusement que j'ai augmenté les ailerons. Oh, il y a un carton devant. Je viens de voir un aileron partir là. Rubens Barrichello était impliqué dans l'incident lui aussi. Il s'en est sorti indemne. C'est marrant, j'ai vu une roue, mais. Ça s'arrête là. Ah, c'est Heidfeld. Ouais, c'est ça. Il a bien dit. Bon, il pleut même pas en fait, hein, j'ai l'impression. C'est juste les projections d'eau. Ouais, j'ai à faire chauffer les gommes, pour l'instant c'est un peu compliqué. On va essayer de rester à distance pour éviter d'être surpris s'il se passe quelque chose. Et peut-être qu'après il faudra s'arrêter au stand, hein, je sais pas, on va voir. Distance de freinage qui a augmenté avec la pluie. Oh mon dieu.
Bon, l'avantage c'est que la chicane on peut la prendre à deux alors. Attendez, c'est Barrichello ou Seidfeld? Ah, c'est Barrichello aussi. Ah, ben voilà, j'ai loupé mon. Juan Pablo Montoya occupe la 5ème place. Massa est 6ème. Rosberg à la 7ème place. Il y a pas mal de projections d'eau. Je pense que ça va sécher, hein, à moins qu'il gros pleuve derrière. Évidemment, hein. Pour mettre tout à l'heure, c'était le départ. Eh, mais Makeo est sorti des stands, du coup, il est encore en piste. Ouais, j'ai coupé. En même temps, la voiture tourne très mal, hein, donc c'est pas évident. Alors, ça peut être une course à abandon, donc dans le doute, je vais pas forcer les choses. Bon, je suis un peu lent, hein, je suis à 3 secondes de Sato. Pas de confiance du tout en la voiture, ni avec les gommes, ni rien. Voilà, type de genre, le genre de truc que je veux pas faire. Bon, moi ça a fait chauffer les gommes de mon d'un côté. Bon, c'est là qu'on se rend compte qu'il pilote légèrement quand même. Bon, bah, Barrichello devrait nous rattraper, hein, je pense. Tes pneus sont verts sur l'indicateur d'état. Le grip devrait être maintenant au maximum. Ok, donc maintenant le grip devrait être bon. À 5 secondes de retard maintenant. Oula. J'aime pas quand le jeu fait ça. Et du coup j'ai raté totalement la sortie. Attention à la chicane, voilà. Alors ça va, j'arrive à accélérer bien. Sans trop glisser de l'arrière, donc ça c'est la bonne nouvelle. J'y arrive pas, hein, ce dernier virage, ce point virage. Bon, bah, Barrichello va me dépasser largement, hein, il est beaucoup plus rapide. J'ai raté totalement le. Est-ce qu'il est en slick par hasard, lui? Je crois pas, j'ai vu des grosses réunions, donc je pense qu'il est en intermédiaire aussi. Comme on a vu en stick, ça doit être impossible. Pff, alors le vent qui me met, comparé à la qualification. J'arrive pas à la prendre ce chicken. On en est au tiers de la course. Raikkonen est devant. Schumacher est deuxième. Trulli, troisième. Quatrième, Alonso. Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place. J'ai fait glisser là. Septième, Giancarlo Fisichella. 6 secondes, ça tourne, ouais. Position. Alors peut-être qu'il va passer en slick, hein. Peut-être qu'il va arrêter de pleuvoir à un moment. Ah, mais même quand je pense que je peux passer, je passe pas, quoi, c'est. Ouais, ça bouge pas au niveau des projections, toujours la même piste.
c'est pas possible. Regardez Michael Schumacher, il donne tout ce qu'il a. Il vient de boucler un tour. Ils ont déjà fini leur tour, hein, devant. Mais voilà, je recoté, magnifique. L'écart est désormais de 3 secondes et demie. Petite mise à jour côté Mais Michael qui revient super vite, hein. Il a déjà 2 secondes de... Plus que 2 secondes de retard sur sa dos. Ah, il peut plus. Ah si, encore un peu d'eau. Ouh, je sens qu'au prochain tour, on va s'arrêter. Est-ce qu'au prochain tour on tente de s'arrêter? De toute façon on n'a rien à perdre. Pour mettre des pneus slick. Ouais, on va le tenter je pense. Après il peut aussi repleuvoir, hein, ça veut rien dire. Ah, à mon avis il y a eu un carton devant. Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion. Par contre si je m'arrête trop tôt, je risque d'avoir du mal, mais bon. Franchement, c'est ça de pleuvoir. C'est ça de pleuvoir. Moi, j'ai envie de mettre des sneak. Hein. Mais bon, je vais repartir loin. C'est le problème. Bon, ouais, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas, de toute façon. Parce qu'après, le risque, ce serait de se retrouver à un tour. Au pire, eux s'arrêteront et moi je continuerai, je sais pas, on verra, mais... Non, mais j'arrive même pas à le prendre encore, donc... avec des pneus intermédiaires. Donc j'imagine qu'avec des pneus slick, ça va être encore pire. Alors, personne tente de s'arrêter au stand par contre. Ces temps sont de l'ordre de 1,18 en ce moment. Bonne deuxième portion, ton meilleur temps dans cette séance. Ah, si, ça s'arrête au stand, ça s'arrête. Ça s'arrête devant, il y en a qui vont tenter le pari de s'arrêter. Je ne m'arrête pas, je m'en fiche. Je ne m'arrête pas, il reste 8 tours. On sait jamais parce qu'aussi bien il peut repleuvoir. Alors il sort pneu slick je pense. Bon, c'est sûr, c'est qu'en vitesse de pointe, je suis à la rue. Hein. Ouais, non, mais c'est une blague. Les mecs en pneustique vont beaucoup plus vite alors que la piste est toujours mouillée, quoi. C'est incroyable. Ah mais je continue hein, de toute façon. J'ai pas grand chose à perdre. Nous en sommes aux deux tiers de la course. Schumacher mène la danse. Il a progressé d'une place. Deuxième Raikkonen. Il occupait tout à l'heure la tête du classement. Rulli, troisième. Massa occupe la quatrième place. Il est parti sixième. Ce serait tellement bon qu'il repleuve. Oh là là, si seulement.
Pour une fois qu'on pourrait avoir de la chance. Alors je regarde les positions sur la carte. Pour l'instant ça va. Pour l'instant je suis pas si lent hein, par rapport à eux. Bon après c'est sûr que si ça se sèche encore c'est mort mais... Ah il y a moins en moins de projections par contre. Ça c'est pas bon pour moi. Bon, on va quand même continuer avec ça. Par contre, je rêve ou j'ai le même rythme que pour le moment. Scott Speed a obtenu un meilleur chrono dans ce tour que pendant tout le reste de la course. Le chrono précédent était de 1:17:83. Ce chrono est bien meilleur que ceux de Ralf Schumacher. Je vois que ses temps autour sont de 1:32, presque 33. Ah, ça commence à devenir un peu plus gris, j'ai l'impression. J'ai dû sortir de la corde parce qu'il y avait une voiture qui avait perdu de l'huile. Alors, ID est 15e avec 4 secondes de retard sur moi. Ah s'il vous plaît, qu'il se remette à pleuvoir quoi. Que les IA galèrent un peu là en slick, ça serait cool. Bon ça semble pas prendre le chemin, il n'y a plus d'eau. Hein. Ça semble pas en prendre le chemin mais... Ouais, j'ai complètement cuté par contre là. Il tourne en à peine plus de 1:16. L'écart a maintenant atteint 2 secondes et 1/10. Ce qui est bien, c'est que je suis dans un vide en fait entre deux groupes de voitures. Trulli, 3e. Massa occupe la 4e place. En 5e position, et ID revient pas, hein, 5 secondes. Montoya, 6e. Rosberg à la 7e place. Et Button occupe la 8e position. ID revient pas, ça c'est la bonne nouvelle. Allez, 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 ça serait bien là de 5 secondes 6, ça serait bien de pouvoir conserver cette position là. Alors que nous entrons dans les derniers tours de la course, Trulli réduit l'écart, la pression devient vraiment palpable. Il a pas dit le dernier tour de la course alors qu'il reste 4 tours. L'écart tourne maintenant autour de 4 secondes 3. Il t'a dit l'est, je pense, je vois. Oh, attention, doucement quand même. Alors qu'on entame les derniers tours, Schumacher mène la danse. Deuxième, Raikkonen. Trulli, 3e. Massa occupe la 4e place. En 5e position, on retrouve Alonso. Ouais, je galère un peu là par contre. Je pense que j'ai perdu du temps. Ouais, 5 secondes, j'ai perdu un peu de temps. Mais ça va, ça aurait pu être pire. En tout cas, je me rends compte que les intermédiaires, même sous le sec, bah, ça marche pas si mal. Après, c'est parce que la température de piste est pas très haute. Trulli a réagi en accélérant dans la portion précédente. Il se rapproche lentement. L'écart a encore diminué d'un dixième de seconde. C'est sûr, Trulli ne réussira pas à doubler la voiture devant lui. Raikkonen a courageusement repoussé la menace venant de derrière. J'ai du mal, là, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il devrait facilement garder sa place maintenant. Ah, il va rester 3 tours à faire. Jetons un coup d'œil à l'état du top 8. Schumacher mène la danse.
Massa occupe la quatrième place. En cinquième position, on retrouve Alonso. Montoya, sixième. Rosberg à la septième place. Et Button occupe la huitième position. De la course est proche, mais Button semble déterminé à rester dans les annales en tentant une offensive de dernière minute. Bon, ça bouge pas trop au niveau des écarts, ça c'est la grosse nouvelle de du week-end. La grosse bonne nouvelle surtout. C'est le dernier tour de la course pour le meneur Michael Schumacher. Raikkonen est deuxième. Rosberg met le feu sur la deuxième portion du circuit, il est le plus rapide. L'écart est de 8. Allez, s'il pouvait y avoir un abandon de devant, ça serait tellement bien. Là, il y a une place ou deux que je pourrais gagner, ça serait trop cool quoi. Enfin, on pourrait peut-être remonter classement constructeur ou pilote. Et c'est physique qui est là, hein, qui est 13ème. Hein. C'est-à-dire que la Renault elle a vraiment galéré là. En tout cas, le P2. Oh putain, je commence à voir les pneus se dégrader à la fin, ouais. Bon, il me reste un tour, ça devrait le faire. Oh, le patin que je mets ici, c'est impressionnant. Je freine tellement fort. Michael Schumacher passe la ligne et s'assure ainsi la première place du podium. Kimi Raikkonen va franchir la ligne en deuxième. Il va falloir faire attention parce que là les gommes vont être difficiles. Il a réussi à gagner encore 2 dixièmes de seconde et confirme sa position de leader. Allez, si je fais pas de bêtises. Bon, je vais pas y aller tranquillement, mais je vais quand même essayer de faire attention. Ah, il y en a un tour, hein, ça serait dommage. Nickel, on les voit au fond. Mais ça a retenu. Oh là là, trop bien, si on finit 14ème. Je vais rien dire pour le moment, parce qu'on n'a pas fini la dernière chicane. C'est bon. On a fini 14ème, yes, meilleur résultat de la saison. Ouf. Eh ben, beau pari finalement, de ne pas s'arrêter. J'entendais vraiment pas ce que les intermédiaires tiennent aussi loin. Pour moi, j'allais me faire exploser à partir du moment où il n'y a plus à avoir d'eau. Mais bon, pas trop d'abandon, hein. Donc du coup, on n'a pas trop profité pour faire un bon résultat, genre 11e, 12e, ce genre de choses. Et du coup, Schumacher qui remporte la course devant Raikkonen, Trulli, Massa, Alonso, Montoya, Rosberg qui marque des points, Button, Speed qui finit 10e quand même. Villeneuve 12, Fika 13, on est 14ème, c'est bien, hein, deux courses d'affilée terminées. ID 15, clean. Alors j'ai hâte de voir du coup l'évolution au classement. Bon, Alonso toujours en tête devant Massa, Raikkonen, physique est là. Il est quand même. Ouais, non, il a que 7 points d'avance. Schumacher remonte au 5ème rang. Rosberg passe 13ème. Et William, je crois que ça fait deux grands prix d'affilée qui manquent des points. Et regardez, on est 20ème, on est plus dernier au championnat, c'est incroyable. Par contre, ID est toujours devant nous. Ça veut dire qu'au classement. Par contre, au classement. Eh ouais, non, STR a bien fini. Je pense qu'on est toujours dernier. Ouais, ah, malheureusement, on est toujours dernier. Tant qu'on n'est pas devant ID, on sera pas premier parce que les STR sont beaucoup plus fortes. Bon, bah écoutez, on partait très mal, on va dire, sur le plan de l'objectif. Et finalement, bah, on fait notre meilleur résultat, comme quoi tout peut arriver. Alors j'espère que le Grand Prix d'Allemagne se passera mieux. On verra bien. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. On se retrouve dans une semaine pour le Grand Prix d'Allemagne. Ciao tout le monde!